Du tout le monde, c'est Sauce en Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre LSS sur Ratchet et Clank, Rift Apart. On néglige trop souvent les boucliers. Donne sa chance au vacu répulseur et regarde le paré. Alors du coup, j'ai du raritanium. Oh, on n'a jamais trop de puissance. Tiens, on va en mettre là. Ouais, donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on a ça, vous voyez, des améliorations comme ça, je mets toujours du ravitanium autour. Mettre du ravitanium autour permet d'avoir les améliorations qui sont ici. Voilà, là, je fais ça, et là, j'ai ça. Voilà. Le ricochet, honnêtement, il sert à rien. Mais bon, allez. Hein, on va un petit peu l'améliorer. Un chouï. Ouais, alors du coup, on change de planète, c'est ça, hein, parce qu'ici on n'a plus rien à faire, ici. Ouais, voilà, donc là c'est secondaire, mais plus tard, ça on le fera en tout dernier. Donc c'est parti. Où on va maintenant? Parce que du coup, théoriquement, alors on peut aller. Ah, on peut aller ici, regardez. Bah, c'est ici d'ailleurs qu'on va aller. Donc là, j'ai regardé, je crois qu'on est à 34%. De l'histoire principale, c'est-à-dire qu'on a fait déjà un bon quart du jeu déjà, donc ouais, ça passe vite, hein. Alors mon objectif, c'est quoi sur cette spell? Mon objectif est de faire bah le jeu principal, quoi, les quêtes principales, vous voyez, c'est-à-dire l'histoire. Et en plus de ça, une fois qu'on a fini l'histoire principale, on fera les quêtes secondaires et après je pense qu'après ça sera fini, hein. Toutes ces inconnues? Si, ça m'arrive de... Sur Savalie, tu m'as demandé si je voulais retrouver ma famille. Ça a été le cas, pendant un moment. Je voulais vraiment les retrouver. Mais plus je me rapprochais de mon but, ils ne sont peut-être pas comme je les imagine. Ou alors, c'est moi qui suis différent de ce qu'ils imaginent. C'est juste... Enfin bref. Je crois qu'on arrive. D'accord, on arrive ici. La station Kedaro est le centre de recherche secret où se trouve la seule forge à rubion assez puissante pour fabriquer le dimensionnateur. On n'a pas droit à l'erreur. Et bon, en vrai, vous savez quoi? On vient à peine d'arriver ici qu'on peut faire déjà une belle miniature avec ce qu'il y a en arrière-plan. Là, je vais prendre une miniature juste au moment où il y a le truc qui apparaît dans le ciel. Ça peut être stylé. Ouais, bah, j'ai pris une miniature ici, on va tout dire à voir. Hein. Donc là, on va déjà avoir du fight, hein, malheureusement. Donc combat dans 3, 2, 1, go. Ok, ça n'a pas manqué, ça. Bon, en vrai, les vidéos Ratchet & Clank, si j'allais vous demander comment je les tourne... Ah, je tourne comme toutes les vidéos que je tourne. Absolument toutes les vidéos, bah, que ça soit Ratchet & Clank Rift Apart, ou des vidéos... En fait, 99,9% de toutes les vidéos qui sortent la semaine sont déjà tournées en avance. C'est-à-dire, en gros, là, j'enchaîne toutes les vidéos de la semaine et je les fais le dimanche. Alors, pourquoi faire toutes les vidéos le dimanche? Bah, parce qu'en réalité, c'est très très long de faire des vidéos. Du coup, bah, en réalité, les vidéos, je les fais toutes le dimanche, comme ça, c'est fait, et la semaine, j'ai pas besoin de m'en occuper. Hein. Comme ça, la semaine, je suis tranquille à faire tout ce que je veux et je pensais que c'était des ennemis, mais ça n'en est pas. Voilà, donc c'est-à-dire, en gros, comme j'ai dit, 99,9% des vidéos sont tournées. C'est alors pourquoi pas 100%? Le Smith qui sort le mercredi sur The Counter Fest, hein, je le tourne le jeudi matin. Du coup, c'est pour ça, en fait, que j'en... Bah, c'est pour ça que c'est 99,9%. Voilà. Mais c'est que ça a toujours été comme ça. Alors ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. À l'époque, les vidéos, par exemple, là aujourd'hui on est dimanche, vous voyez. Et ben par exemple, si jamais on était, je sais pas, on était lundi, et ben les vidéos de mardi, elles n'étaient pas faites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est comme si en gros on était lundi. Là c'est comme si on était lundi. Et que dimanche, il doit y avoir de vidéos.
pas que dans leur vidéo, enfin peu importe le nombre de vidéos qui doit sortir, vous voyez ce que je veux dire quoi. Là je sais pas combien il doit en avoir lundi d'ailleurs, hein. Je crois que... Attendez, si on en avoir deux. Mais c'est d'ailleurs celle que je tourne, ça sera celle d'ailleurs de demain. En guise de deuxième vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça là fonctionne. Alors elle, je crois qu'on n'a pas de raritanium. Ah, c'est en recharge. Ah, on peut acheter une nouvelle arme. J'avais pas vu qu'on pouvait en acheter une autre. Mais de toute façon, de toute façon, j'en ai pas l'air ritanium. Ok, bon, bah, on va essayer ça. Mais ouais, toutes les vidéos Let's Play sont tournées en avance parce que, bah, comme j'ai dit, parce que ça galère. Hein. Ça prend du temps de faire des vidéos. Hein. Donc là, vous voyez, on est dans la même dimension qu'on était juste avant, mais. Délabré. Nous avons basculé dans une autre dimension. Une dimension abandonnée à ce que je vois. C'est-à-dire en fait que tout ce que je fais là, c'est exactement la même chose qu'on avait avant, à part juste que c'est une autre dimension en fin de compte qui est complètement bah, détruite quoi, en vrai. C'est marrant en vrai, ce principe de dimension en fin de compte parallèle. C'est un peu des dimensions parallèles, en mode on a la même chose mais on détruit. Un peu comme il n'y avait pas de planète où genre tout était détruit et puis je crois que c'était Savali. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que la planète c'était Savali. Attends, est-ce qu'on peut monter dessus? Ah oui, on peut monter dessus. Et j'ai vu qu'il y avait un cristal là-bas au loin, donc malheureusement. Mais je voulais voir qu'il y avait un cristal au loin, je sais pas si on pouvait l'avoir. Hein. Attendez, je vais essayer, je vais remonter là, je vais. Bon bah tant pis, parce que du coup. C'est sans loin par contre là. Toi? Mais tu es un héros. C'est vrai que j'ai réussi à vaincre deux ou trois méchants, mais eux, ils ont inventé tellement de trucs incroyables. Tu te sous-estimes, Ratchet. Je sais pas, peut-être. Mais j'ai une super vie dans ma dimension, Kit, et je voudrais surtout pas la perdre. Bon, au pire, on va peut-être explorer ici, hein. Parce que là, ça m'a l'air d'être tellement loin. Bon, c'est pas grave, on s'est fait peut-être un petit peu avoir. C'est possible, mais tout est délabré ici. Elle ne fonctionnera peut-être pas. Mais si on trouvait un autre cristal de blison, on pourrait retourner dans l'autre dimension. Ah oui, si on trouve un autre cristal, on pourrait retourner dans le où c'est pas délabré. Bah oui, c'est vrai. Alors notre objectif, ah, l'Argentium. Ah, t'as y'en a un ou? Ah là. Ok. Ouais, par contre, vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même joli. Hein. Alors, oui, je suis d'accord que tout était délabré, c'est pas non plus. Voilà, délabré. Mais graphiquement, graphiquement, le jeu est joli. Ah bah là, on va pas se dire le contraire, le jeu est super beau là. Mais en fait, comme j'avais dit, le jour où j'ai commencé ce let's play, toutes les 10 minutes, toutes les 5 secondes, regardez, toutes les 5 secondes, tu peux faire la limite une miniature. Bon, peut-être pas ici, enfin ici et encore je pourrais peut-être en faire une, mais où il n'y a pas vraiment ce côté genre vraiment c'est le truc parfait parfait. Bah, on va dire si j'avais pas le choix ça pourrait faire le taf, mais donc là on peut faire ça pour aller de l'autre côté. Voilà la porte. Elle est useless. Ah tiens, regardez. Ça fait partie des collectables à trouver. Il y en a 25 dans la map hein, à trouver au total. Attendez, il n'y avait pas une espèce de file là hein. Ah oui, mais c'était une faille pour faire ça. Non, j'ai cru qu'il y avait une poche dimensionnelle ici. Hein. C'est ce que je veux dire, genre en mode je rentre dans une poche dimensionnelle. Bah, j'ai cru qu'il y avait une poche dimensionnelle. En fait, ouais. Ok. Continue à tirer, elles vont nous submerger.
C'est quand même beau comme mission. En fait, comme j'ai dit, en fait, tout est délabré, mais je trouve ça beau quand même, moi. Ok, je crois que j'ai fait bugger le jeu là. Ah, j'ai trouvé un bug qui permet d'aller sous la map. Hein. Ah, vous y croyez? J'ai trouvé un bug qui permettait de passer sous la map là. Regardez. Je suis sous la map là. Alors là, je ne sais même pas comment j'ai fait. Bon, c'est pas grave, on va revenir au point de. Voilà, on va respawn. Voilà, ça c'est fait. D'accord, ok, donc là il y a un bug, je sais pas trop pourquoi on est ici. Hein. Ok. Bon bah du coup tant pis, hein, faut tout refaire. Hein. C'est pas grave. Du coup, oui, bah là du coup il y a quand même un bug là, alors du coup. Je sais pas. Bah, au pire on va pas essayer de retomber dans l'endroit où il y avait un bug là parce que. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Et il faut savoir que en fait, c'est quand que j'ai joué pendant beaucoup, j'ai joué énormément de fois, je veux. Et je n'ai jamais eu ce bug-là. Hein. Sans rigoler. Hein. Sans rigoler, je n'ai jamais eu ce bug-là. Hein. Il n'y avait pas une arme où qui était pas à fond. J'ai vu comment ça s'appelle, l'exécuteur. Non, c'est pas grave, on a ça. Ah, un vrai animal. Alors, est-ce qu'il y a du grand rien, on a pas oublié, on a pas loupé. Entre guillemets, hein. Ah, on a notre objectif, ouais, c'est bien dans cette direction. Et ouais, par contre, là, on pourrait faire de sacrées miniatures. Hein. Alors, pour le moment, je ne dis pas la pépite, je n'ai pas la pépite qui fait que. Ah, ouais, la forêt. Pas pour l'instant, mais oui, quand j'en aurai une, de miniature. Une pépite, genre vraiment un endroit vraiment genre c'est obligé que je prendrais, bah je prendrais. Ah, peut-être cette zone elle est pas mal cette grande zone là. Calme-toi, je vais m'en occuper. Ouais, ça pourrait faire une petite miniature ici en vrai. En vrai, mais. Ah, par contre, il y a du grand Britannien en haut. Mais à voir. Attends, le grand Ritalin, il est où? Il est là. Ah. Alors, je me pose la question. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Genre depuis ici. Non, ça ne fonctionne que comme ça. Ouais, je pense que. Okay. Par contre, on était censé aller là normalement. Ok, bah faut peut-être pomper. Hein. Peut-être qu'en pompant, on aura peut-être un moyen. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Ah ouais, c'est mieux, il me semblait, il y avait un moyen de venir là. Hein. Alors attendez, il me dit de revenir en arrière, c'est ça? Ah oui. Alors,
Ah bah oui, c'est la porte. Ah oui, la fameuse porte bloquée. Lui, il a un bras mécanique, genre un espèce de truc qui permet de débloquer les portes comme ça. C'est sympa pour là, en vrai. Bah, c'est un petit peu... chelou. Pas chelou. C'est pas mal, j'aime bien la zone, là. J'aime bien l'ambiance, en tout cas, là. Je savais que ça allait vous plaire, parce que je savais, en fait, qu'à un moment, on allait avoir une ambiance comme ça. Parce que je connais le jeu. Hein. Ok, on a un monstre. C'est quoi, ça? Lui, c'est Volt, mon meilleur ami. Il essaie de me tuer, parfois, mais il a un don pour écouter les gens. Il essaie de te tuer? Devenez ami avec lui, vous pourrez peut-être l'appeler Vovo, ou Voltounet, ou Voltidia. C'est super, ça. Ça claque, hein, comme surnom. Ouais, tu raries. Bah, si on en voit, on le récupère, hein, si on en voit. Mais en soi, voilà. Ok. Ok. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre dans la zone, j'ai l'impression. Ouais, comme je dis, l'ambiance est pas mal, l'ambiance avec le décor, là, franchement. Et boum, voilà l'ascenseur. Wow. Ah, si vous connaissez pas le jeu, honnêtement, ça va être pas mal pour vous, ça. Mais moi, comme j'ai dit, malheureusement, je connais le jeu par cœur. Pas par cœur. Non, pas par cœur, je l'ai fait une seule fois. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Je pouvais pas être calme, il allait avoir des ennemis à un moment donné, c'était sûr. Hein. En tout cas, les bombes, elles sont vraiment chutées, moi, je trouve, les bombes. Ouais. Bah, surtout pour ces ennemis-là, en fait, qui se dupliquent en, morceaux, là. Ouais. Parce que ces ennemis, dès qu'on les tue, ils repop, mais en plus. Après, ils repop, mais je crois qu'il y en a encore plus qu'avant. Ok, avec une munition, on prend l'autre. Oulala, il se pique, hein. Ouais, c'est vraiment chaud, patate, ça. Pas de raritanium par là. Ah, si, si, regardez. On a un... On a un goût. Ah ouais, bah, ok. Non, là. Il est... Juste là. Ah, ça, c'est quand même bête, ça. Et genre, je suis passé en plus, ici. On va le récupérer de là-haut. Tant pis. Oui, il reste plus qu'une minute de vidéo, hein, à peine. Hein. Donc le temps de faire cette interaction avec ça, avec le tableau de bord, et ensuite je pense qu'on est bon. Hein. Ben, on va se dire, ben, il se dit au revoir. Et ben, on va se dire nous-mêmes au revoir. Ben, parce que c'est tout simplement fini. Hein. Ça y est, ça fait déjà 20 minutes que ça a écoulé. Ouais, ça passe vite le temps, malheureusement. Ouais. Mais bon, on se retrouvera, vous inquiétez pas, la prochaine fois. Hein.
le jeudi 18 avril. Donc au jeudi 18 avril, c'était sous son trophée.